Nous sommes avec André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, président du groupe Front de Gauche à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, André Chassaigne. Alors, regardons la discussion à l'Assemblée autour du projet de réforme ferroviaire. Vous avez adopté, les députés, enfin une majorité, qui a voté d'ailleurs le premier article du projet de loi, le plus important, qui prévoit de regrouper dans une holding publique la SNCF et Réseau Ferré de France. Tous les députés ont voté. Les députés de gauche, moi je me suis abstenu parce que je ne suis pas arrivé à ce que je souhaitais, c'est-à-dire un établissement public complètement unifié, puisque là on a encore trois établissements publics distincts. Vous êtes abstenu. Et l'UMP a fait quoi ? L'UMP, bien sûr, considère que ce texte ne va pas suffisamment loin parce qu'ils veulent la coupure. Ils veulent préparer l'ouverture du marché, la mise en concurrence. Et donc, ils voudraient, d'une part, l'opérateur qui pourrait être mis en concurrence avec d'autres opérateurs pour le transport, ce qu'on appelle la mobilité. Et il y a, le réseau, l'infrastructure qui resterait publique. Donc, l'UMP est sur une voie, bien évidemment, qui est une voie libérale. Oui, une voie libérale. Bon, dans tous les cas, ce premier article a été adopté par une majorité et vous avez déposé un amendement qui pourrait, je dis bien qui pourrait, Jean-Paul Conditionnel, André Chassaigne, mais mettre fin au mouvement de grève. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'assurer que le groupe SNCF, qui regroupe toutes les entités différentes, il s'agit d'assurer que le groupe SNCF sera l'employeur des agents et des salariés de toutes les entités. Concrètement, l'ensemble des cheminots, quel que soit le lieu de travail, auront toujours un seul employeur, le groupe SNCF, même contrat de travail, même bulletin de paie et même statut. C'est ça ? C'est ça, en fait, la grande bagarre qu'il a fallu conduire. C'est faire évoluer le texte de loi de façon à ce que les cheminots aient effectivement, vous l'avez très bien expliqué, un employeur unique. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir, s'ils le souhaitent, muter d'un service à l'autre, d'un établissement public à l'autre, qu'ils puissent avoir les mêmes négociations salariales, qu'ils puissent avoir la même fiche de paye, qu'ils puissent avoir tout ce qui est porté sur le 1% logement, sur l'allocation chômage, sur des questions qui sont des questions centralisées. L'objectif, c'était par des touches successives, par des amendements successifs, petit à petit, comme un peintre avec son pinceau qui ajoute des choses sur un tableau, faire en sorte que petit à petit, on fasse évoluer le texte vers l'employeur unique. C'est pas parfait, mais on a beaucoup avancé la nuit dernière. Bon, l'employeur unique, ça doit rassurer les grévistes, dites-moi, franchement. Oui, parce que je pense que la grève s'est continuée, il y avait d'une part des négociations qui avaient abouti, par exemple, sur le comité central d'entreprise, il y avait déjà des choses qui avaient abouti. Mais les grévistes se considérer qu'il y avait encore un risque. Le risque, c'est qu'un jour, on puisse morceler l'établissement public, le groupe public SNCF. Et donc, ils se battaient pour ça. Mais il est terminé, ce risque. Il n'y a plus de risque. Je pense qu'il y a une grande partie du risque qui est levé. Mais après, vous n'allez pas changer mon ADN. Hein. Moi, je considère que le droit de grève, c'est eux qui décident s'ils continuent ou pas. Est-ce qu'ils estiment que les avancées sont suffisantes ? Je pense que des choses ont bougé. Et je pense que les assemblées générales... Oui, vous seriez gréviste. Vous seriez rassuré, non, André Chassaigne? Soyons francs. Moi, je crois que si j'étais gréviste, je pourrais dire mon action a permis de faire évoluer le texte législatif et donc je peux effectivement considérer que je n'ai pas fait grève pour rien. Et reprendre le travail. Et reprendre le travail, chacun s'exprime dans les assemblées générales comme il le souhaite. Non, mais ça, on est bien... Mais merci, André Chassaigne. Mais reprendre le travail, vous lancez, compte tenu de ces avancées, vous dites aux grévistes, maintenant, reprenez le travail. Je pense qu'ils vont le faire. Vous pensez qu'ils vont le faire ? Vous savez, les cheminots, comme les autres, ils font pas grève pour le plaisir. Parce que quand on fait grève, on n'est pas payé. Il y a l'opinion publique. C'est extrêmement difficile de faire grève, contrairement à ce qu'on peut penser. Et je pense qu'ils attendent qu'une seule chose, les cheminots, c'est de pouvoir lever la main en disant, reprends le travail.